Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour. Et on y va avec les cartes divinatoires d'Algariel que j'aime bien prendre en ce moment avec un passé, présent, futur de gauche à droite. Ben là, j'en ai deux qui tombent ensemble. Alors, on commence. Passé, présent. Alors, on a le pendule, hein, cette notion de vibration, de fréquence en ce moment. Il y a quelque chose. Et hop, ben, futur, hein, c'est très bien. Voilà. Tu peux voir la qualité des aquarelles, justement. Alors, ici, on a le gardien de la nuit. Là, au centre, on a le pendule, pas compliqué à voir. Et là, le casque, aussi, là, c'est pas compliqué à voir. Moi, je vais venir tout de suite au centre. On va pas partir du passé, mais du passé, oui, on va revenir au centre directement. Le pendule, c'est une carte qui est neutre en fait, hein. Ça montre, alors je te disais qu'il y avait cette notion de fréquence, alors moi tout de suite ça m'a relié à la fréquence, à la résonance de Schumann, je ne sais pas pourquoi, tout de suite à la Terre en fait, à cette fréquence vibratoire de la Terre qui a voilà, beaucoup augmenté, beaucoup évolué depuis quelques années et surtout ces derniers temps. Et qui parle en fait d'une augmentation de la fréquence vibratoire de la Terre, mais aussi du coup elle augmente sa fréquence vibratoire, nous on augmente aussi notre fréquence vibratoire, et donc c'est une carte qui a un pouvoir hautement vibratoire, voilà je vais y arriver, excuse-moi, et donc qui amène, qui symbolise une recherche plus profonde de soi, ou même d'une quête en fait. Voilà. Alors ici on peut avoir des guérisseurs, des radiesthésistes, des magnétiseurs, des sorciers bien évidemment, puisque bah, c'est la carte de la radiesthésie. C'est aussi, je te parlais de la Terre, moi tout de suite c'est ce que j'ai vraiment capté, c'est la Terre. La Terre, la nature, les énergies de la Terre, les énergies de la nature. Donc ici, il y a cette notion, c'est d'équilibre. Tu vois que le pendule, il ne bouge pas, il est au centre. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre. On te dit qu'il y a un certain équilibre ici qui est atteint ou qui, enfin, pour moi, il pourrait être à atteindre, pour moi, où il est atteint, où il va être atteint. Voilà. Donc, c'est neutre, il est au centre, ça reste neutre, cette notion d'équilibre. Il y a une notion de recherche. De recherche, quel que soit le domaine, hein. Mais de recherche de quelque chose, voilà, ça peut être quelque chose de profond, d'une quête aussi, mais aussi ça peut être la recherche, bah, une recherche de maison, rechercher de personnes, d'être physique, et ou une recherche intérieure, je vais y arriver, voilà. Et donc, elle peut amener pour des personnes célibataires de futures rencontres, bien évidemment, et pour les couples. Elle indique quelque chose qui est en changement, qui est en mouvement, et donc cette notion de projet de vie, de recherche de quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Et au niveau professionnel, elle indique aussi, bah forcément, oui, j'ai oublié, la recherche d'emploi, pour le coup, aussi. Hein, qui peut être plus ou moins longue, parce que si on la couple, donc au centre, hein, toujours, si on la couple avec une recherche justement de quête, une recherche de sens, une recherche de soi ou d'objectif, eh bien elle sera plus ou moins longue si tu couples justement cette recherche professionnelle ou cette reconversion professionnelle ou cette envie de formation par rapport voilà, au fait de se réaliser soi. J'espère que je suis claire. En tout cas, elle annonce un besoin de changement. Voilà, de situation dans le domaine professionnel vers quelque chose qui correspond plus ou mieux. Alors en fait, elle a un point fort, cette carte en fait. Et ce point fort, c'est de faire ce pourquoi tu es faite ou fait. Donc là, par exemple, pour les guérisseurs, les magnétiseurs, les géobiologues, les radiesthésistes, enfin voilà, d'en faire, on fait comme on leur disait, ou toute autre chose comme ça peut être de l'art-thérapie aussi,
d'en faire une pratique principale ou une activité principale. Tout ce qui est soins holistiques aussi. C'est comme s'il y avait un appel fort à ça. Allez, maintenant, il est temps. Voilà. Ou elle peut suggérer de se tourner vers quelque chose de plus d'holistique. Holistique, c'est qui prend l'être dans sa globalité. Donc, autant l'aspect physique, hein, que plus subtil énergétique. Voilà. Il y a une notion de se recentrer, de revenir au centre. Hein. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de... Alors, ça peut être aussi un retour sur des terres... un voyage initiatique, pardon, sur des terres sacrées aussi. Hein, dans des régions. Et ça permet vraiment de prendre conscience aussi, peut-être, de ses dons. Hein. On parlait de guérison. Il est toujours question de faire appel à un médecin, hein, si jamais il y a un souci de santé, attention. Hein. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le pendule et le casque en fait. Là, en fait, on te dit, il y a quelque chose qui est fermé, il y a quelque chose qui empêche d'eux. C'est pour ça qu'on te dit de prendre conscience au centre de tes dons, de tes talents là-dedans. En prenant conscience, tu fais sauter le casque en fait. Moi, c'est de ça dont j'ai envie de... C'est ça que j'ai envie de te dire. Il est question de nettoyer ces énergies là aussi, hein, avec le gardien de la nuit aussi. Donc là, il y a quelque chose qui ferme, on demande de nettoyer ces énergies, très clairement. On va recouvrir, on est obligé de recouvrir avec ça. Donc petite guidance, hein, du moment et du jour, pour les énergies du moment. Faut pas hésiter voilà, à se nettoyer, à se mettre dans de... faire un bain de sel. Pourquoi pas avec une combinaison, aller dans la mer, rester 20 minutes dans l'eau salée, faire brûler de la sauge, du bois de Palo Santo, de l'encens de Jérusalem, pour pas hésiter. Il y a une notion de transformation, de métamorphose, on a le chat noir dessus. Oui, ben on nous dit tout simplement de faire attention à ces, voilà, nos énergies. De repos. Alors, tu vois, là, tu as le repos éternel au centre, hein, vraiment. Donc, le repos éternel au centre, ben, venir ce qui veut dire. C'est cette notion de fin de situation, de renouveau, de mort et de résurrection. C'est attaché aussi aux mémoires du passé. Alors, peut-être qu'il va falloir... En fait, il y a cette notion de laisser le passé au passé. C'est ça. Peut-être que ce qui enferme aussi, ce qui empêche, c'est le passé. Donc, lâcher le passé, aller vers l'avant, aller de l'avant, pardon, excuse-moi. C'est prendre connaissance en fait des expériences du passé, enfin les expériences, c'est garder le savoir, c'est-à-dire les expériences, l'expérience et la connaissance pour aujourd'hui et demain. Elle représente les anciens, hein, l'esprit des anciens aussi. Elle n'est pas négative, hein, cette carte, hein. Évidemment, on pourrait le devenir en fonction de ce qu'on peut trouver autour, mais vraiment il y a cette notion, bon, de nettoyer ses champs énergétiques, d'abord de se faire confiance, de regarder ses dons et ses talents, c'est comme si quelque chose les, voilà, entourait, empêchait, il est temps de lever le voile, de faire grandir sa lumière. Moi je pense que c'est en lien avec la Terre, c'est suivre la fréquence de la Terre. C'est très rare que je fasse des guidances comme ça, mais vraiment là, j'appelle Algariel qui m'appelait, je sais qu'on a toujours quelque chose de très profond comme ça et de spirituel avec Algariel. Faut pas hésiter à faire attention, voilà, faites attention aux personnes qui sont aux alentours là, avec notre chat ici. Et cette carte-là, qui peuvent justement, on peut avoir, faites le tri dans vos relations. Voilà, regardez les personnes qui peuvent vraiment, des fois elles ne payent pas de mine, on ne les voit pas, on ne les repère pas, qui vous empêchent, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer en fait. C'est de ça dont ça va me parler. Ouais. Mais il y a cette notion de s'appuyer sur un guide ici, avec le soldat. Hein, sur quelqu'un, sur un proche, un guide. Lors de périodes de doute, parce que là, ça peut nous parler du doute aussi avec le chat ici.
Donc, faut vraiment pas hésiter. Il y a vraiment cette notion à, voilà, à se faire confiance, à aller de l'avant, ne pas avoir peur aussi, et vraiment plus que jamais d'augmenter sa fréquence vibratoire. Donc, de pas se laisser aller à la peur ou de se laisser enfermer comme on avait le casque ici. Hein. Il y a une phase de métamorphose et de transformation. Faut la laisser se faire. Il y a des guides, il y a des aides ici. Vraiment pas avoir peur. Et ben justement, on te dit l'araignée, attention, elle n'est pas négative. Et je vais terminer par elle pour voilà, cette petite guidance 10 jours. J'aime bien te faire des petites guidances. Danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. Donc elle n'est pas du tout négative cette carte, hein, contrairement à ce qu'on pourrait voir. Au contraire, il y a une profonde transformation qui est en train de se faire. On te dit de peut-être vraiment aller dedans, trouver ton équilibre et faire briller ta lumière. Tu n'es pas seul et regarde en fait, même et un petit GPS, quand tu vois qu'il y a une situation qui te fait te sentir pas très bien, bah, quitte-la. Bon, après, ça peut pas toujours se faire du jour au lendemain, mais des fois, oui. Si tu te sens pas bien dans une pièce ou avec une personne, et rien ne t'oblige de voilà à rester en contact et à choisir le chemin du je me sens bien. Et en tout cas, voilà, danse tes rêves en plein jour, en fait. C'est-à-dire, sois toi, vraiment. Sois toi et va vers ce qui t'anime. Va vers ce qui te fait envie, quoi. Il n'y a rien qui t'en empêche et t'es même fortement guidé là. Et du coup, il y avait cette notion, ouais, d'aller vers quelque chose. Bah, ce pourquoi tu es faite ou fait, hein, avec le pendule. Augmenter sa fréquence vibratoire, c'est choisir la voie du se sentir bien, être en joie ou être en paix. Voilà, merci à toi. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance.